Salut à tous, on vous fait une présentation, d'ailleurs au passage un petit clin d'œil à Jim de la chaîne Panzer Garage. Alors, on a un temps de breton là, pourtant on est bien en Corse. Et d'ailleurs à mon avis je pense qu'on va aller se mettre à l'abri de suite. Dans la mini, oui. On sera mieux dans la mini. Allez, on se retrouve dans la mini, ça va être plus simple. On est mieux là quand même. Hein. On est quand même mieux, on est quand même mieux dans l'Austin. Bon, il manque plus que le volant là. Ouais. Tu peux me balancer quelques notes là. Le cahier de notes, gauche à fond. On est fin prêt, gauche à fond. Attends, on attaque d'entrée avec un gauche à fond. Tout à fait. Voilà, bon, eh bien, c'est pas pour vous parler de Mini qu'on est là. Hein. Non. Mais on s'est fait un petit interlude récréatif, on va dire ça comme ça. Je sais que beaucoup l'attendaient. Je veux parler de la 205 XS que j'avais remise en route il y a quelques semaines. Voilà, on a eu à cœur de l'extraire de là où elle était. Un petit peu de travail quand même. Oui. Alors au passage, je précise avant d'avoir des commentaires, j'ai fait une grosse boulette, mais là je suis entièrement responsable. J'ai pris un bidon que je pensais être rempli d'essence, sauf qu'en fait il était rempli d'un mélange d'essence et de gasoil que j'avais siphonné d'une collègue de ma femme qui s'était bêtement trompée de carburant. Et ce qui explique que quand on la remet en route, ça fume beaucoup, quoi. Elle fume beaucoup. Alors que si vous avez suivi la première vidéo, lors de la remise en route, même sur deux cylindres, elle ne fumait quasiment pas. Et là, bon, on a clairement... Ouais, ça fumait beaucoup. Ça fumait beaucoup. On a trouvé l'origine du problème. Voilà, donc ça, je referme la parenthèse. C'est pour rassurer les gens qui vont penser que le moteur est mort. Il est loin d'être mort. D'ailleurs, bon, vous verrez dans la vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bonne vidéo. Bonne vidéo, voilà, elle est fin prête, vous verrez à la fin. La prochaine étape, ce sera une restauration. On n'est pas dans le même... Non, c'est pas pareil que la Mini. C'est, il y a voilà, quand même beaucoup moins de travail. Il y a beaucoup, beaucoup moins de travail de carrosserie. Après, pour le reste, ça reste une restauration classique. Mais c'est clair qu'au niveau carrosserie, il y a moins de boulot. Voilà, donc bonne vidéo, bon visionnage, et puis de toute façon, on se retrouve... Samedi matin. Samedi matin, bon, la dernière avec toi, puisque oui, tu repars... à la Réunion. Tu repars à la Réunion, et j'ai hâte que tu rentres au mois d'octobre. Au mois d'octobre, hein, pour le Tour de Corse historique. Pour le Tour de Corse historique, voilà. Donc, on vous dit bon visionnage, à très bientôt. Et à bientôt.
Allez, on va mettre un peu de carburant. Tiens, oui. Anthony qui arrive. Oh, avec sa voiture. Hein. Sa voiture de prêt. Et oui, il a bien fallu le véhiculer. Donc, il profite pleinement de la Lotus. Il profite pleinement de la Porsche. Ah, c'est aussi ça l'amitié. Oh le beau gosse! Salut Vincent! Bon, ça y est, on est fin prêt? On est prêt. Voilà, donc, on est parti pour extraire la 205 XS de là où elle se trouve. Hein. Donc, bon, elle a été remise en route, mais elle est toujours en place. Donc, bon, on a prévu tout ce qu'il faut, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas y accéder avec la remorque. La piste est trop accidentée, trop étroite. Donc, on va y aller à pied. Et donc, il va falloir qu'on sorte la 205 au moteur. Donc, pour ça, on a prévu batterie, essence. On va faire une vidange sur place. On a tout ce qu'il faut. Donc là, de l'huile pour faire le niveau, comme dans le top mécanique. Très, très important. Le niveau d'huile. Surtout, vérifier le niveau d'huile avant de remettre en route. Voilà, donc... On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. C'est parti. On se retrouve sur le site. Allez, on est de retour sur le site. Donc, on va récupérer la malle arrière. On va récupérer également... Hop. Ah, le feu, la vitre, elle est là. Mais on va quand même le récupérer. Et puis, ensuite, vidange et remise en route pour l'extraire de là. Anthony, tu m'as pas dit que tu voulais aller à la pêche. Ouais. Tu as pensé aux cannes. Les verrailles tiennent. Les verrailles tiennent. Les verrailles tiennent. C'est déjà une bonne chose. Le matériel de pêche. Tu sais où elle est la canne à pêche? La canne à pêche, elle est là-bas. Attends, je vais la chercher. Ah non, c'est pas la canne à pêche, c'est le moulinet. Hop là. J'ai le moulinet. Donc c'est la canne à pêche. Ça c'est le tuyau de lave-glace. Tiens, prends la douille de 10. Il y a deux vis là. Là-bas, c'est serti contre la carrosserie. Là. On ne peut pas le démonter là-bas. On prend un autre. Il y a des fourmis, hein. Et tu m'étonnes. Il y a de la vie là-dedans. La lunette arrière, regarde. J'ai récupéré... De quoi? J'ai récupéré un rouleau de scotch dans celle-là. La lunette arrière, on va juste la... Ouais, on va la coller. La coller, comme ça on n'a pas besoin de changer sur place. Tiens. C'est celle-là l'origine à manivelle, Vincent. D'accord. Et bah, écoute. Il y a une dans le capot, là. Je sais pas si elle est là-bas. Prends-la toujours. Tu devrais juste ouvrir le capot là-bas. On compare ce qui manque. Et comme ça, après, on démonte tout et on y va. Ouais. J'essaie de sortir ça.
Le par oui, la vitre, elle est là, mais prends l'aube, si là, il y a... Il y a un truc, le câble électrique pour le tenir. Enfin, c'est pas grave, prends quand même, parce que là, le problème, c'est qu'on n'a rien. Il faut une clé, pas de bêtise. Attends, je colle. Je colle ici et je viens. Clé plate de 10. Ah, la clé plate de 10, elle n'est pas dans la boîte. Tu l'as pas prise tout à l'heure? Je pensais qu'elle y était. Non. Pas fait grave. Bah, donne-moi là une petite douille de 10. Ou la 10 avec le cliquet 3 quarts. Enfin, pas 3 quarts, 2 tiers. Merci. Bon, ce couteau que j'ai récupéré dans l'estafette, dans le gnôle, il est juste parfait. Il est incroyable, non? Et il est en inox. Bon, franchement, il est super pratique. Il y a un double carbure. Ouais, c'est les fameux que j'ai démontés pour... Il y avait un axe qui était loupé. Ah oui, c'est celui de là, oui, ok. Oui, c'est celui de la ZS, il est penché en arrière. Tout à fait. Il y a encore du kilo price fond. Oui. On fait très vite là en haut. Bon, c'est assez là, tu passes en dessous ou pas? Oui, un petit gabarit, moi. Hop. Il y a du jeu dans le roulement, Vincent. Il y a un peu de jeu. Attends, elle est presque neuve la voiture. Hein. Il y a un peu de jeu. Tiens. Tiens. C'est pas le roulement, c'est la rotule de direction. Ouais, rotule de direction, mais ouais, il y a un peu tout qui a du jeu là. Quand tu regardes, il y a un peu tout qui a du jeu. Comme si s'il y a un bloc qui sont fatigués, comme ça, c'est combien d'années qu'elle a pas roulé. Bon, j'ai le joint qui va bien sur l'auriculaire. Là. Joint de vidange neuf. Vas-y, tu peux mettre, j'ai déjà un appui là. Voilà, je vais essayer. C'est bon pour moi, Vincent. Nickel. Tu vois, avant de démarrer un moteur. Toujours regarder le niveau d'huile. Comme dans Top Mécanique. Comme dans Top Mécanique. Allez, on y est presque. Je pense qu'un gros coup d'aspirateur va s'imposer. Un vrai garde-manger, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais... Allez, on va se mettre la batterie. Bon, le filtre à air, on n'a pas besoin de le remettre. On va la démarrer comme ça. Pour démarrer, il n'y a pas besoin. Et puis, on va essayer, hein. T'as fait les câbles. Allez, Anthony a mis le réservoir provisoire en place. Voilà, pour éviter que ça dégueule. Un petit trou dans le bouchon. Excellente idée. Ah, il n'y a plus qu'à essayer de le remettre en route. Une batterie. C'est bon, on est bon là. Alors, au bruit là, à mon avis, il y a au moins un cylindre qui donne pas. Évite de te prendre la châtaigne. Bon, celui-là il donne. Allez, je redémarre. Bon, celui-là, il donne pas. On va essayer les autres. Il donne pas non plus. À mon avis, ces deux cylindres, ça m'étonne pas. Parce que là, je pense que je vais caler.
Donc tu vois, tu as deux bougies, ouais, à changer. Il y a deux bougies qui ne donnent pas. Allez, on va les changer. Ouais. La dernière fois, pour le peu de distance que j'avais à faire, pour la remettre en route, pour la reculer, sur deux cylindres, ça passait. Mais bon, tu l'entendais qu'elle tournait pas rond. Et là, on a toute la côte à prendre. Ouais. Si elle tourne sur deux cylindres, jamais de la vie, elle monte. Non, s'il y a pas le... Avec le machin, avec ça. Ouais. Attrape-le avec ça. Ouais. Avec la... Elle est fendue. Comment tu veux que ça marche, ça? J'espère qu'on aura assez de compression. Et que là, ça démarre pas à cause des bougies, enfin que ça tourne mal à cause des bougies et pas à cause d'un problème de compression. Sinon, bah, on se débrouillera pour la sortir. On a des solutions. Oui. On a nos techniques secrètes. Je suis pas inquiet pour ça. Hop. Pas facile à attraper, dernière. Non. Attends, je vais voir si j'ai la douille avec le caoutchouc. C'est bon. Tu l'as eu. Il fallait juste un jeune, en fait. Non. Il fallait juste un jeune. C'est là, il y a la bougie qui est là. C'est ce qu'il dit, le vieux. C'est pas les mêmes, non? Si. Fais voir. R9. Non, j'ai... Plus fine celle-là. Ouais. Plus fine. Ah, toi, celle-là, elle donne pas. Ouais. Celle-là, elle donne. On voit clairement la différence. On a gagné un cylindre, c'est déjà bien. Allez, on va rechanger celle-là. On va en prendre une sur l'autre 5. Ouais, la voiture est sur la remorque. Bon, on l'a sanglé rapidement. On n'a pas une grosse distance à faire. On n'a pas voulu s'embêter, donc ça va tenir largement. Elle est tenue devant, c'est pas un souci. Elle tiendra pour les 20 minutes de route qu'elle a à faire. Thank you.
un gros nettoyage s'impose. Autant l'ancien propriétaire, il a joué à l'euro million, il a gagné, il n'a jamais su. Évidence, il y a eu des rats dans cette voiture. Cassette audio, époque révolue que nos jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connue. Ou des hameçons. Bon, il y avait tout l'attirail du pêcheur, il manquait juste la canne. Allez, ça, je mets de côté. Et on va attaquer par un gros coup d'aspirateur, ça va pas lui faire de mal. Allez, le phare et le clignotant sont en place. Là, je vais changer le rétroviseur qu'on a récupéré sur l'autre. Celui-ci, il se balade. Alors, l'idée n'est pas de faire une voiture neuve, hein, loin s'en faut, mais j'aime bien, chaque fois que je vais me lancer dans une restauration, j'aime bien faire un état des lieux et, dans la mesure du possible, de faire ressortir tout ce qui est en bon état. Là, les moquettes, par exemple, elles ne sont pas déchirées du tout. Ah, elles étaient effectivement très très sales. Là, c'est pour vous donner un aperçu. Dans l'absolu, et si je pars sur une restauration, je vais sortir les sièges, la banquette arrière. Donc, logiquement, je suis en mesure de sortir le bloc moquette complet pour le nettoyer avec mon Karcher, entre autres. Hein. Donc, pour faire ressortir sa couleur d'origine. Voilà, donc là, je mets un petit coup rapide sur l'ensemble de la voiture, qu'elle soit présentable avant d'être stockée, puisque... Là, une restauration n'est pas programmée pour l'instant, mais ça viendra certainement. Donc voilà, avant de la stocker à l'abri dans mon garage, je lui mets un petit coup de propre, j'enlève un peu la misère, et je trouve tout de suite que ça transfigure la voiture.